Tu fais quoi, Modou? J'écris un livre, là. Oh! Quoi, oh? Toi, tu écris un livre? Bon, mais c'est ce que je viens de dire, là, non? Ah, tu sais même pas écrire ton prénom, et peux-tu écrire un livre? Quand je vais faire un best-seller et que je vais devoir partir en tournée là, dans tout le monde entier, que je vais signer des autographes, tout ça là, il faudra pas venir me demander de l'argent. Voilà. Avec ton foulard que tu quittes jamais là. Modou, reparle une seule fois de mon foulard et tu vas voir ce que je vais te faire. Hein? Avec ton long visage là, on dirait la muraille du Japon là. La muraille de Chine. Ça s'appelle la muraille de Chine, pas du Japon. De Chine, je sais, je connais, c'est ça que j'allais dire. Hein? Ouais. Tiens, Minata, t'as un cadeau de la part de Kendra, une abonnée. Tiens. Bah, dis merci, imbécile. Non, mais merci, je suis contente. En plus, Kendra, c'est joli. Même la pochette, elle est jolie, mais je suis énervée, là. Là, je suis en train de bouder, donc reviens après, s'il te plaît. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, vous êtes toujours en train de faire la gueule. Oh, desserrez vos visages un peu, là. Souriez, je sais pas. Toujours en train de bouder, H24. Depuis hier, j'arrive pas à plaquer mes antennes. J'en ai marre de la vie. J'en peux plus. J'ai envie de fuguer. Je suis à bout. Tout ça? Oui. T'inquiète pas, ça va aller. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? La wifi, elle marche plus. J'hallucine. On dit pas la wifi, mais le wifi. Et vas-y, ferme ta gorge, toi. T'es né avant-hier et tu veux nous faire des cours d'orthographe ici? Non, mais allô? Est-ce que c'est ma faute si tu parles pas bien le français? Non, mais je t'explique, je parle français mieux que toi, en fait. Hein? Ah, non, je crois pas. Non. Bon, mais c'est bon, vous allez pas vous embrouiller. Vas-y, ferme ta gorge, toi. C'est bon. Papa, tu fais quoi? Je viens juste de finir d'écrire mon premier livre. Là. Hein? Mais c'est quoi le titre? Comment comprendre les femmes? Mais comment t'as réussi à t'inspirer? T'as fait comment? De ta mère, de tes sœurs. Je te jure, elles se rendent pas compte, mais ce sont des vraies sources d'inspiration. C'est beau ce que tu dis. Hein. Je peux le lire? Je le vends 36 euros. Oh! Si tu as pas l'argent, tu passes ton chemin, j'ai pas ton temps. Hein. Mais papa, fais-moi un prix toi aussi, je suis ton fils quand même. Mais c'est déjà un prix que je te fais. Hein. D'habitude, je le fais 37 euros. Là, je te le fais 36, c'est un prix déjà. Hein. Ouais, mais j'ai qu'un billet de 50 là. C'est pas grave, ça fera l'affaire, merci. Allez, tiens, donne, et puis je rends pas la monnaie. Hein. Merci. Tiens. On fait la paix? Ouais, vas-y. Tu me prêtes ton cellulaire? Quoi? Ça n'existe pas, cellulaire. Mais de quoi tu parles, toi? Cellulaire, ça veut dire portable. Réfléchis toi aussi. Non, là. Mais allô, c'est pas possible. T'es vraiment né un jour férié, toi. Ça n'existe pas, cellulaire. Mais c'est toi, tu comprends rien. T'es vraiment trop bête. Pardonne-moi, je suis bête. Ça fait quoi? Mais... il n'y a rien écrit dans ton livre là, tu m'as escroqué papa. Bon mais comment ça, je viens juste de lui acheter un exemplaire là. Mais ouvre-le maman, tu verras, il n'y a rien écrit là-dedans là. On t'écoute, tu as intérêt à avoir une bonne excuse hein, on t'écoute, vas-y. Comment comprendre les femmes? Hein? Personne n'a la réponse à cette question, donc du coup... Il a de la chance, quand il va revenir on verra. Les filles, je vends un livre 50 euros, dedans il y a les réponses à toutes vos questions, tout. Tout? Tout. Normalement il coûte 200 euros, mais vous êtes mes soeurs, je vous fais un prix. 50 euros chacune, 100 euros ça fait, on n'en parle plus. Vas-y, ok, mais tu m'avances, Binta? Ouais, ok, tiens, je te donne 100 euros. Hein. Merci. Ok. Fais voir. Bon, vas-y, ciao. Mais y'a rien écrit là-dedans, y'a rien, c'est tout blanc, y'a que des pages blanches. Y'a pas à escroquer les gens comme ça, ouais. Je rate ton enterrement pour te montrer à quel point le monde est dit. Les boulettes volent, y'en a plus que dans mes spaghettis.